le ruisseau de Kédron ou bien Cédron. Paréo dans la vallée du fumier. Dans la vallée de Jisréel. Dans la vallée de Josaphat. C'est tout non ça au biblique. Pour mettre ensemble à arranger. Pour sang à couler. Pour le feu de Dieu. Aljoignez là-bas. Mais il y a un groupe de peuple qui va réunir ensemble pour changer l'esprit. Qui me font appel. Que tout le monde qui a un défaut change. Bon bonne vie, ben a pété traîner des. Nous on côté ni joine bagaille ça. Bonne vie. Aïe, et vous changez vieux défaut là. Bonne bagaille nous habitué avec depuis longtemps et vous tiens à ce que c'est comme ça mier moi mais pas rien c'est comme ça mier. Parle avec combien aimé parce que on dit tempérament. Dis-moi pas la quoi que bagaille comme ça mal avec tempérament. Nous qui avait tempérament mier, le Seigneur a sauvé nous ensemble et pour nous jeter toute bagaille qui pas correct devant le Seigneur. Pour nous acheter de nouvelles choses. Et puis c'est pour pas permettre mettre un travail là. Suspendre, tolérer, t'es tout. Exposer devant le Seigneur. En nous changer. Moi dis en nous changer. N'importe qui est-ce qui aime le Seigneur pour le confronter tête lui. Pour le déposer tout vieux bagaille. Il n'y a pas besoin pour l'avancer avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Vous comprenez qu'on peut faire ça? Pour revêtir de gloire. Il faut gagner en pile gloire au bon Dieu pour débarrasser des défauts, des péchés, des natures de péché. Et là, la fin de toutes choses est proche comme ça, une attitude pour gagner. On ne peut pas arrêter à garder les choses, un travail pour faire. Ouais, pendant que nous vivons ensemble là, nous découvrons de bonnes bagailles. Pas inquiétant, on prend note de tout. Ça va mieux. Une petite compréhension plus large des choses. Je vais chercher le Seigneur pour ça. Oubliez vivre ensemble. Il y a des gens qui changent, mais il y a des choses qui sont terribles. Le Seigneur connaît. Mais pas suivre dans le jugement. On va aller avec le Seigneur. On est dans l'Ecclésiaste 12 là. Avant de lire verset 1er, il y a le chapitre 11 dans verset 7. Seulement verset 7 là, on a besoin. La lumière est douce. Il y a le lire. Oui, on va dire. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. C'est une belle chose. La lumière est douce. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais chapitre 12 là. Jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Là, forme d'où que l'igontit en ironique. L'igontit ton ironique là. Dans ce sens-là, dit là, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, jeune Manche homme. Dans les voies de ton cœur. Ou mettre marcher dans Jean Well là. Dans et selon là. Les regards de tes yeux. Oui, toujours dit langage ironique là. Mais ouais, sache, selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jeune homme, Dieu t'appellera en jugement. En jugement. Maintenant, encore une fois, raison que ferme le chapitre, ça, c'est parce que la parole est en stress stratégique. Dieu t'appellera en jugement. Mais fais tout sauf lui. Je ne sais pas oublier un. Verset 2. Maintenant, on commence avec conseil là. Bannis de ton cœur le chagrin. Le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Maintenant, dans ta jeunesse, moun gen force, yon gen énergie. Yon senti yon gen liberté pour faire tout bagay. Eh bien, jeunesse la passe, attendez. Ronde sa moué, moun ki fait trop bagay dans la jeunesse yon. Yon gen yon temps de réflexion le yon. Adulte accompli, m'a même dit vieillard, non? Yo gon tant de réflexion qui plein avec chagrin. Parce que même ça crivé. Gen des bagages l'on fait ou bien l'on fait trop, l'on pas gen assez de raisonnement pour wè ça fait. L'on arrive nan yon lè kou yon ka comprendre ça te fait, yo regrette en pile. Vi bagay sa yo sou ou pa veyo ka même détruire culpabilité. Parce que gen bagay l'on te fait ou t'es pressé, ou t'es grand pile énergie, ou t'es grand pile force.
Mais quand on vient comprendre ce que tu fais, on vient comprendre l'ampleur des choses. Et puis, regret prend, ou envie mourir de ça. Ils avaient rempli dans nous. Le ministère a goumé avec nous pour ne pas aller aucun côté au béni. Il y a un bagage ou pas pour aller, ni payer pour ni regrette pour vous. Et quand on a un bon monde qui est allé, il regrette déjà. Et il y a tout encore. Vous parlez tout le monde si vous n'avez pas pris l'évangile là au sérieux. Vous ne pouvez pas parler avec vous. Vous n'avez pas qu'à faire, peut-être n'avez pas qu'à faire, pas qu'on. Mais ça dépend du Seigneur. Nous avons fait ça le Seigneur dit. Il y a des gens qui sont tellement à l'aise dans le royaume, non, c'est pour aller prendre un frappe dans le monde. Pour aller réveiller, pour comprendre côté côté. Après, c'est tout le monde dans le danger. Il n'y a pas de temps pour tourner. La jeunesse, selon vous, sont vanité. Lors mal géré, ou gen un temps qui très difficile. Moi rencontré des moun avant yo mourir qui crient en pile. Yo mourir à crier. Et me conjoint des ministres comme ça, li tellement fait erreur dans ministère, il mourir à crier. Parce que gon période de temps, li fait trop bagaille. M'pa vle entrer dans ça, mais l'Éternel dit David, m'pa kite bati kay pou mwen. Mais on te gen trop sang là-dedans. Abaku qui explique ça. Faut éviter de bâtir un caille sous sang. Quand il y a des hommes qui vont laisser bâtir l'église. L'El vini, il dit bien aimé, je voulais bâtir l'église à pas bon bout. Il disait, vlo pas vle pasteur. Il y a la clé le mien avec moi. Il y a des gens qui tellement voulaient bâtir l'église, l'homme tout ça, il goumé avec moun. Mais il ne comprend pas qui sauve les sauver. Lorsqu'on l'église ou bâtir sous sang, frère, l'église a bâti sous iniquité. Li pa produit l'épouse, yo pral juge au bout li. Pour qui ça pour commencer comme ça? Moi même comme on son mon ba m'a fait depuis jeune moun chita koute, m prend verset biblique enseigner tout en vain. Fondation gen sans la dedans. Pa bâti on ville sous sans frère, c'est ça ba kudi. Qui ça que le vidéo dans la mes frères? Et va venir nous mieux. Et ça fait, moi même ses frères, m'a exposé au trop. Le nécessaire, le cerveau royaume qui était allé. Mais n'a pas goût même bambité ou allé. N'a pas ce que je m'a aidé bâti en assemblée. Aux États-Unis. Il était dans la zone Florida, dans la zone l'est de la Floride. Un jour, m'a machine parti avec elle. Mais là, avec l'autre côté, elle n'a jamais allé, même une fois. Il me même sous ville là, me dit, dégagez-vous là. Même voyager près de 4 heures de temps, côté me connaît bien l'autre l'église, l'autre frère, l'autre monde que t'as qu'à affecter. Mais juste la côte ouest de la Floride, me dit, ouais, ville ça, ou mettre là-dedans. L'hôtel n'a pas gagné monde pour aller dans la ville là. Première fois, le bras aller, c'est dans l'hôtel, il descend, fait combien de semaines? Jusqu'à ce que le capable de joindre, on pied à terre pour louer en caille. Lui-même seul, laisse à Yuri pat là. Yuri a demandé, est-ce que m'a vini? Il dit, ou pas monter, il dit, m'a connu. Dégrenant. Il dit, nous mettons dégager nous là. Il dit, pas v'le nan, nan, yen bagay moun, ni compromission, il n'en goumé à personne, rete là, bâti en bagay. Il dit, sinon droite, le Seigneur a voué des âmes pour nous. Il parle volé nan moun. Pas apprendre saint moun. Pas bâti ville là sous sang. Pas bâti sous iniquité, rete là. Après un petit temps, kounye a, quelques moun commence à devenir, quelques moun commence à mauvais, me dit pas occupé. Je prends mesure a déjà. Moi, je viens ici en Haïti, je parle avec le ministère, je parle avec le pasteur Préval et autres. Je aller aux États-Unis dans une zone qui est peut-être plus près, je marche par là chaque grain pasteur. Je me dis, ouais là, m'bral mette pasteur Edwige là, li qualifié, le capable de n'assembler, on assemblé. Même dit mal là, est-ce que nous suis pas gen personne là ou dit pas gen personne là? Je dit m'te gon pasteur dans zone là, mais nous pas gen communion avec, nous met aller. On mettre là. L'on prend précaution ça, yo, c'est pas pour aujourd'hui. Ou gen doit commencer gon gros bagaille ou bâti gros building ou n'importe quoi yo. Vraiment bonne colonne bien haut. Les prendre de terre. Tout tombe sous moun yo. Yo pas seulement tombe, yo tombe sous moun yo, yo fondre avec moun yo. Mais l'on bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, son précaution liée, l'a bâti. On fouille fond. Après ça, on tourne avec elle, nous bâti les quatre doctrines majeures. Nous gratter terre. Il y a quelqu'un qui veut venir me dire pas recevoir mon ça. Mon ça veut venir me dire pas d'accord mon ça venir. Mon ça veut venir me dire non, sans prie s'il vous plaît, mettre loin. Un groupe monde qui dit mais comment hier qu'on s'en va fond l'église, dit pas venir là non. Bon pour son monde. Nous on coupe même. Je levé compte mais dit pas ça va me sauver, me dit c'est pas ça. Au nom l'église faire sport. Il dit pas ça m'a venir. Me dit faire respect. Je dis qu'on nomme qu'on a que l'église où il est. Jusqu'à présent, il va venir. Il n'est pas content avec moi. Nous ne pas font pas là, on va pas l'autre bord. Quittez mon yo, bâtiti ba yo, pas le mettre aucun trac à l'autre bord. Parce que, l'on est mes frères, on n'a pas besoin de demander au remène pour remène. Ou remène selon le principe d'amour de Dieu. Et malgré tout, il y a un groupe qui fait violence quand même. Ils te quittent l'église, ils font l'église, ils font 3 ans, ils ne sont pas bon. Puis après ça, ils levent un jour matin. Yo prend tout moun yo net, yo campé devant l'église. Yo dit pasteur Edouard, sou pas quitter l'entrée, n'a pris campé dehors, n'a pas adoré là. Pasteur Edouard dit bien-aimé, m'pa capable responsable bagay ça, al faire route nous. Il dit pas ou k'ap di nou aller. Ou m'te konnen, nou te konnen ou ap di nou aller déjà. Mais n'a pris adoré dehors, ou mettre fermé porte là. En final, pasteur dit pas quitter adoré dehors, yo rentré. Te gon tumulte dans sa me dérange li. Yo te besoin ça la vérité. Yo te gon groupe te soif, yo pas saute dans l'église. Et yo te gon groupe moun ki te vraiment déshydraté spirituellement. Et malgré tout, nous tourne côté pasteur, il me dit sou ki te vini n'a pas souffert. Sou pas ki te vini, n'a fait ou aller. Il dit nous mettre recevoir yo, yo besoin bon Dieu. Nous quitter yo là. Yo l'église là. Mais tout ce qu'on fait dans la fondation, quelle que soit ses vies individuelles, quelle que soit ses vies ministérielles, quelle que soit son institution, il faut bâtir droite. Parce que il peut aller prouver l'autre semaine. Non. Tout le bagage peut aller prouver. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de, la jeunesse, de ta jeunesse. Là, on a grandi la force là. Songez sauveur là. Avant que les jeunes jeunesse au monde, c'est période côté qu'on grand pile énergie. On grand pile émotion. Là ça c'est période de temps qui est plus difficile pour être avec loi bon Dieu. Mais là qu'a kembe loi bon Dieu dans jeunesse ou son héros. Personnellement plus ou ka aider les autres. Ou ka kembe reine jeunesse ou et puis en face la parole. Au nom de Jésus. Bon Dieu paye en pile pour ça. Bon, on a un monde qui travaille cher. Vous payez cher. Si vous avez songé créateur, là, songez là, m'attendez chapitre biblique ça. M'te quelqu'un peut-être 17 ou 18 ans. Il a attiré attention en pile. Si vous avez kembe vie, là, ou ka gérer énergie jeunesse ou et pour toujours aimer bon Dieu. Ouais ouais ça. Ouais ouais comme bon Dieu va payer ou puis devant. Et puis bagasse ou pas jamais perdu. Moi l'église me compte ça, moi compte avec plusieurs jeunes. Les on en moment, il dit monsieur pourquoi ça me bat tout dégager, me tout faire, tout ça me devrait faire net dans le monde. Plusieurs dit ça, ou pas compte ça dit à ça, il pas jamais répéter bagage comme ça encore. Là on a payé pour chaque petit grain péché le te fait. Finalement vinn pas ca, il pas ca à l'aise. C'est pour louer mon Dieu. Il te kembe. Est-ce que vous entendez ça? Yes. Si là, vous avez un problème dans la vie, vous allez entrer dans le bagage comme ça avec le Seigneur. Et là, je n'ai pas de gens qui ne sont pas de nous. Le fin avant le fini, le beaucoup fini, le beaucoup fini. Avant que les jours mauvais arrivent. Attendez, mais ça me besoin. Avant que les jours mauvais arrivent, il faut ranger les choses. Et que les années s'approchent. Que les années s'approchent. Où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Parce que les jours mauvais arrivent. Verset 4. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière. Voilà. Quand le soleil la prale. Obscurcisse. Il va le tourner dans un sac de crin. La lune et les étoiles. Et que les nuages reviennent après la pluie.
La lune et les étoiles sont périodes de temps. Ça n'a plus là typifié temple l'église primitive là non sens. Il parle pas sans qu'on n'a pas n'entend pas nous. Et le soleil là, pape là, ni lumière soleil là, ni étoile yo, ni la lune. Nan. Alors le terme ou pape captant d'enseignement Nouveau Testament que Christ est pour venir comme le soleil de la justice. Ou pape captant de même l'enseignement de l'Ancien Testament que et qui te baille sous la loi, li pape clair pour ou pape même joindre mon abdil presque. Parce que yon éteint lumière sa yon. Les étoiles, si là yon qui te gen l'évangile nan, mais qui te gen gloire nan vie yon, ou pape joindre yon presque. Ce soir yon nan kachou, yon mouri. Yon al dormi. Kounye ya, le diable al semé, li vrai. C'est nan mauvais temps pour là. Verset 5, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Attendez, où est ça? C'est période de persécution de l'église. Où est-il encore pour vous? Temps où les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison tremblent, que c'est Silaio qui t'a veillé sous l'église là. Gagnant qui mourit, gagnant qui a prêté après, dépendamment de qui est soyé, où les hommes forts se courbent. Ou celles qui moulent parce qu'elles sont diminuées. Raison que fait comme ça, c'est parce que tout moule dans une période de temps, ça a gagné deux meules. Yo lagé grain là-dedans et puis yo viré moulin, yo viré meule là et puis le moulin. Et ça c'est moulin ancien yo. C'est deux gros roches, tout moule dans les deux gros roches qui fait deux meules. Peut-être yo fait le tout rond, là yo viré li autour de yon axe. Et puis il me dit axe on boit au frein dans mitan roche à trois et puis yo virel et puis il crase grain ou pas jeune bagaille ça encore parce que yo représente l'ancien et le nouveau testament moun qui t'a moulin qui t'a et viré meul là yon rete fixe l'autre l'a viré sous lia moun sa pa rien encore ou li ça pour elle une explication ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Il a parlé des femmes, c'est dans l'église. Et il y a un ministère qui tape, dans le ministère de l'église, ça qui tape viré meulio, qui permet que nous jouions farine, yo diminué. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Oui. Obscurcis. Et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ou les deux bâtons. En d'autres termes, il y a des ténèbres dans la caille. Son temps côté que bagaille a baissé. L'apostasie a entré. Ou les deux battants de la porte se ferment. Les deux battants de la porte se ferment parce que quand la gen porte et porte la gen battant. Sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule. Oh God. L'Ancien et le Nouveau Testament ferme porte l'évangile là. Yo ferme soin dedans. Pas gen meule moulin qui a viré. Soleil là, obscurci. La lune n'a pas gagné lumière, babaye. Les étoiles n'ont pas là. Son temps pour ça. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Ça, c'est temps l'église primitive. T'es passé après période de gloire. Li. Après quoi? Bagaille a commencé à tomber. L'église t'a pralé dans le désert. Où l'on redoute ce qui est élevé. Où l'on a des terreurs en chemin. Suivez l'islavoué. Où l'amandier fleurit. Où l'amandier fleurit. Où la sauterelle devient pesante. Et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Ça c'est après... Persécution en pile moun mouri. Mais moi j'aime terme ça les pleureurs. Parcours les rues. Moun sa gen connaissance tout. Il a pleuré la mort de ceux qui meurent. Mais il a parcouru les rues. Il n'a pas dit ça là, mais si on porte un petit l'huile, il y a pas où. Parce que jugement va venir. Avant que le cordon d'argent se détache. Se détache.
que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la route se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Parce que l'église là, ou qu'a prend ça pour yon, ou qu'a parlé avec un grand monde, mais gardez toute expression pour si la parle avec un seul grand monde. Il va prouver pour un seul monde. Il a parlé de dispensation là. Mais c'est les avertissements qui baillent. Regardez pour elle comment commencer. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la passion, à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mardez les voix de ton cœur et sonnez les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un. Eh bien, gagner un comportement qu'on a besoin de gagner. Là, on va la approcher période de temps. Faut sage et sauf pour vaquer à la prière. Il faut que vous ayez un amour, une charité ardente, les uns pour les autres. En nous tournant dans 1 Pierre 4 là, lis un peu plus que ça. Exercez, verset 9. Oui. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. C'est ça la dit pour nous gagner parce que la fin de toutes ces choses est proche. Exercez l'hospitalité. Les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Sans murmure. Sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. De diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est l'esprit corps. Ça fait, dans la période de temps où il est là, c'est l'heure pour nous gagner plus affection. Pour nous manifester plus hospitalité pour l'église, là, qu'à restaurer. L'église a pas le reste, mais c'est de l'amour de Dieu. Pendant que toute bagaille a pas annoncé, il a pas le fait. Tant ça que nous gagnons là, je dis, l'église a pas le monté, l'a passé dans la persécution. Et ensuite, lumière a éteint. Après ça, va venir le jugement. Mais entre temps, mon Dieu a sauvé mon peuple. Qui ça a besoin de gagner le ça? C'est le m'a éliminé toute vieille méchanceté. Tout vieil esprit terrible que m'a gagné, tout vieil défaut m'a gagné, il était en grand dans l'esprit, moi. C'est là pour m'exposer à la vérité au nom de Jésus. C'est pas là pour m'abserrer bagaille dans le fond comme qui n'est pas bon. C'est là pour me livrer, pour mon Dieu joigne pour l'aider. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Qui t'aime compléter ça avec Romains 13 là, avant moi lire l'autre partie que je besoin lire là. Verset 11, Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Mais il faut qu'on est dans quel temps que nous y est. L'importe, cela, en d'autres termes, c'est important. Cela importe. D'autant plus que vous savez que vous sachiez en quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est pas l'heure de vous dormir encore, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ça, Paul l'a dit là, des bonnes périodes de temps. Maintenant, nous vivons dans notre période de temps, côté que verset biblique, ça est venu. Et évident. Car maintenant le salut est plus près de nous. Maintenant le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. Que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Oui, il dit ça. Le jour approche. Il lit ça dans Marc 13 là. La nuit est avancée et le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres. Mais ça vous fait. Mes comportements. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Revêtons-nous des armes de la lumière. Bon bagaille pour retirer. Bon bagaille pour mettre. Ça fait Paul dit travail avant de salut. C'est du travail. Après salut, c'est pas l'étape garde et pas reçu. Et puis pas mettre, mais on n'a rien. C'est pour travail. Dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès. Attendez, et le sort sage. C'est le sort sauvre. Loin des excès. Tout excès, c'est péché. Quand on soit sort, on met excès là-dedans, c'est péché. Ça seulement, c'est tout un chapitre lié. Excès de langage. Excès d'attitude. Et on va quand même besoin. Et. Enseignez parmi nous, en fait. Et les 15 excès de l'orgueil. Et pour une bonne bagaille que nous faisons, c'est excès.
quelquefois nous voulons belle mais oublier gain excès dans bagaille dans beauté à tout et puis nous voulons nourrir notre orgueil nous ça vaut dans figure pour qui la figure l'autre couleur crème pas connait petit cheveux ou mettez tout ces orgueils loin des excès c'est excès lié ou pas habillé seulement non ou surhabillé vous mettez bagaille on sait de gros talent tout le monde coûte gain complexe et puis le besoin vous va de haut excellé oui ou gain petit couleur tout pas satisfaire couleur et type couleur naturelle ou pas son petit crème excel relé vous mangez trop excès ou habillé trop excès et vous sobre vous avez excès dans vie. Et on dit conduit une machine, il pas conduit machine seulement pour côté le besoin non. Il gon chan conduit machine, il gon fait des volants. Excellent relé ça. Il pas gain machine seulement pour mener le côté non, il met machine vie non. On luxure, on bagaille voyou wel des volants. Il gain machine mais faut pas plusieurs pinchi à droite à gauche donc gros boom box là-dedans. Boom boom excès. Et vous sauve, c'est vous sage, c'est vous marcher loin bagaille ça yo. Parce que la nuit est avancée et le jour. Il y a un temps pour faire bon bagay sa yo. Il y a un temps pour nourrir, c'est le pour vainqueur sou yo. Il y a un temps pour habiller n'importe qui genre. Bout manche, bout rad, bout bagay, corsage décolleté, bagay. C'est excès, il faut habiller droite. Et vous juste dans le royaume de Dieu. C'est vous marcher loin des excès. Vous voyez ça seulement son chapitre lié. Chapitre excès. Et de l'ivoirie. L'ivoirie. L'ivoirie, il n'y a pas seulement boire alcool, on m'a fait des machins là, il est sous tombé, non? Mon bon l'autre bagage c'est ivoirie oyé. Ça pour qu'on parle sur l'autre chapitre, ivoirie son chapitre lié. Ou gen doit vinn sous dans plaisir. Si on moun reme football trop, son ivoirie ouyé. Ou reme marina trop ou son ivoirie ou sous avec bagage télévision. Ou pas jamais un moun qui tellement reme regarder télévision, li pa wèl pa tande marina, li sous la dan, li sous. Loin des excès. Loin des excès. Il y a un monde qui excède dans dépenser cob. On petit cob dans mon c'est pour dépenser le droit. On saint dans bon Dieu, on saint dans l'église. L'or sobre, l'or sage. Cob c'est pour bail prémisse pour Dieu pour commencer. On pas capable de dépenser cob le Seigneur. Il faut songer qui est-ce qui bon santé. Qui est-ce qui bon pied pour marcher le travail là. Qui est-ce qui bon yeux pour garder le travail là. Qui est-ce qui permet de rester là, pas coucher sur le cabane de l'hôpital ou de la faire? C'est pour songer moun ça. Dans le monde, pas de bagaille comme ça, mais nous-mêmes, c'est pour nous reconnaissant. L'envie de tirer ce cop qui est, c'est pour songer pas bon Dieu à la donne. A qui devient aimé, a peu de souffrir. Pas peu de marcher, sandales ou sandales, souliers sous souliers. Excès. Il y a un jour, on dépense ce cop là, il est bon. Mais l'autre genre, c'est excès lié. Ou comme ça, vous quittez fait? Quittez le CRB nous en abondance ou même pas chambre fait excès. Mais mes secrets. Moi, on rencontre des gens dans l'église, dans le corps, dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas excédé, mais bon Dieu béni en abondance. C'est abondance, bon Dieu béni, mais ce n'est pas excès fait. Ce n'est pas excès fait. Il y a une différence. Et n'importe qui jaloux qui veut bénédiction, mon Dieu en abondance. Il n'est pas bien traité, le CRS, parce que le bon Dieu finit par en bagarre, il va les personnes mal garder. Donc il faut quitter bon Dieu, goumé pour. Mais vous-même, c'est pour vivre loin excès de l'ivoirie. Pas quitter rien fort sous dans la vie, il faut avoir trop de miel. Soit après mon jeune homme, remène avec mesure, c'est pour aimer le CRS avant. Depuis mon jeune homme, fait tête ou viré, ou c'est ivoire. Ah, frère Dupuis, vous avez dit bal en créole. Moi, je dis l'ivoire. Ou quitte l'autre bagage fort sous. Ouais, mon jeune fils, c'est lui-même seulement qui occupe pense au matin, à midi, à soir, dans la nuit, dans la free night, ou sous. Son monde sous, même si on marche là sous. Son seul mot à quatre lettres seulement qu'on est. Love. L-O-V-E. Donc on ne peut pas sous dans les choses de la terre. Gen moun se pa baga sa ou intéressé. Mais il fait journée à manger. Matin, manger. Non, après-midi. 10 heures.
midi, bon bagay. À 2h, pas capable encore. À 4h, fais vite. À 5h, amène le plat. Et puis, là, le coucher. Si vous avez dit la question de jeûne, non, non, pas comme ça. Ou sous. Parce que manger virité tout. Tout ça qui a virité tout, c'est lui même qui alcool ou. Et pas alcool naturel seulement. Non, il y va. C'est ça qui fait ne vous désirez pas de vin, c'est de là. Soyez au contraire remplis. Oh là. Chapitre, voilà là son autre chapitre. Loin de bagaille ça, parce que le jour approche et la nuit est avancée. Ça c'est comportement mon besoin de gagner. Les bagailles ont commencé mauvais. Faut sage et sobre. Faut que l'esprit ou capable de coûter mon Dieu pour parler d'après tempérament, émotion, sentiment. C'est pour coûter ça, mon Dieu, vous le dire et vous livrer la vie au Seigneur. De la luxure et luxure de l'impudicité. Des querelles et des jalousies. Yeah, faut bagarre ça, c'est pas eux pour occuper vie. Verset 14, mais ça vous fait. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comment ça, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ? Revêtez-vous de l'obéissance, de la soumission. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, c'est revêtez-vous de l'Esprit de Christ, de la nature de Dieu dans l'autre zone. Mettez-le sous. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas ceux de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pour qui ça? La nuit est avancée et le jour. Faut avoir vainqueur sous la chair pour la vie ou gagner les vertus de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Et mais ça me donne un dit. Tu aimes lire deux chapitres de l'île dans ce maintenant. Fais du vide et baisser le couille. Tu lis une boîte. Je vais lire encore. Je vais lire chapitre encore. Je vais le finir. Mais avant de finir là, je vais lire ça. Je vais me dire un bagaille. Si vous souffrez pour appliquer la vérité dans un temps difficile, bon Dieu va récompenser vous. Est-ce que vous avez ça? Faut sage pour faire ça, doit faire. D'après ça, le Seigneur permet ou faire. Et ça, le mando pour faire tout. Pas faire les choses n'importe qui, Jean. Alléluia. Comment on dit le remède le Seigneur? J'aime dire toujours avec, excusez. Verset 3. 2 et 3. Il dit que je, personne. 2 Thessaloniciens, premier. Premier. Nous devons à votre sujet, frère. Rendre continuellement grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Au moment où le ministère dit ça, vous. Votre foi fait de grands progrès. Grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. La charité augmente de plus en plus. Verset 4. Ainsi, nous glorifions-nous. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos préoccupations. Oui. Persécution. Persécution. Et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve juste jugement de Dieu. Les Thessaloniciens étaient dans une période de temps, ils ont traversé des afflictions, des tribulations, et des souffrances et des persécutions. Mais ils ont traversé pour des raisons saines, des raisons valables, des raisons qui sont attachées au salut. Verset 5. C'est une preuve de du juste jugement de Dieu. Lis verset 5 et 6, là, et chaque contexte pareil. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Au pape, souffrez en vain. Vous serez jugé digne du royaume de Dieu. Bagay ça c'est pas une blague, ni un mythe, ni un bagay a fort dormi. Mais qui s'allie? Le Seigneur a quitté souffrir, c'est la vérité qu'a dit. Pour capable aller recevoir récompense pour son souffrir. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. À mon cap fort souffrir. Il va souffrir affliction tout. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Mais ce n'est pas Kounia, il n'y a pas de repos. Repos à pas vite comme ça. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Apparaîtra.
du ciel avec les anges de sa puissance. Avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme. C'est vrai que le Seigneur m'a donné un pile bagage. C'est vrai qu'il y a un comportement, il y a un pour souffrir. Mais le Seigneur va le récompenser tout. Il n'est pas comme ça abrité. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux. Le Seigneur viendra au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Premièrement, monde qui pas contre bon Dieu. Deuxièmement, monde qui pas obéit à l'évangile du Seigneur Jésus. Verset 7. Ils auront pour châtiment. Ils auront pour châtiment. Une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment qui ça? Une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur. Du Seigneur et de la gloire de sa force. Maintenant, qui ça, bon Dieu, a racheté aujourd'hui? L'autre chose non zone, il va recevoir le châtiment éternel. Ça, c'est le jugement éternel. C'est la mort sans la résurrection. Mais le Seigneur a racheté de ça. Il faut souffrir. C'est vrai, ou souffrir pour droite, ou souffrir pour qu'il y ait justice, bon Dieu. Ou souffrir, ou fermer les yeux sous le bagage, pour qu'il te convoitise à la verre, pour qu'il y ait juste, droite, réel. Mais bon Dieu va bénir. A rien pris, on juste payer pour bon Dieu va récompenser. Courage dans le Seigneur. On dit courage dans le Seigneur. Alléluia. Dis ça reste là dit. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Là, le Seigneur va venir admirer, pour glorifier dans ses saints. Et admirer dans tous ceux qui auront cru. Pour l'admirer dans tous ceux qui ont cru. Vous ça dit, on peut pas aller là, parce que la donne. Quand notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Et oui, il dit ça encore. Nous prions continuellement pour vous. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillant de sa bonté. Et là, mais c'est encore son verset qui prouvait que la prédestination peut exister. C'est prier la prière pour que le Seigneur juge nous digne de sa vocation. Prier pour nous appliquer les œuvres justes, pour nous faire juger digne de la vocation. Verset 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifié en lui. Pour que vous soyez glorifié en lui. Selon la grâce de notre Dieu. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur, il va quitter souffrir, c'est vrai. Mais il va quitter souffrir pour qu'à hériter un royaume qui est éternel. C'est pas sans raison à souffrir. Ça fait. Mais comment lier? Moun kap juge aujourd'hui, pour l'affliger demain. Moun qui a affligé aujourd'hui, pour le juger demain. Moun qui souffre pour qu'il y ait justice, bon Dieu, aujourd'hui, pour marier la chair avec ses passions et ses désirs, yo souffre, c'est vrai. Mais demain, si Dieu veut, bon Dieu, pour le bénir. Avec un corps angélique, si yo vainqueur. Il va bénir avec participation dans l'épouse de Jésus-Christ. Il va parmi si là où il va gagner part dans le plan éternel de Dieu. Mais si là où il était printemps, puis il fort souffrir des afflictions, des persécutions. Il est de la justice de Dieu qu'il souffre l'affliction. En allant dans le chapitre 10 dans Hébreu, hein, de l'Isa l'autre jour, parce qu'il va camper là. Qu'un comportement qui marchait avec vous dans temps difficile ça yo. Souvenez-vous, verset 32 m'appli. 32. Et souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, oui. exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Même moun kap souffri avec ou yo, reta avec yo. Ou pa kou kite yo. Ou souffri avec yo, souffri avec. Nous font seul compagnie. En effet, verset 34. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs. Donc, je me dis bien les meilleurs, c'est pas. Et qui dure. C'est pas voler, parce qu'il y a un tremblement qui est écrasé. Là, il y a poussière là-dedans. Mais n'importe qui, j'en ai allé.
Ou pas te marrer avec eux trop. Allez, continuez. N'abandonnez donc pas votre assurance. Le yo va enlever pas nous yo, yo va enlever dans temps persécution. N'abandonnez pas votre assurance. Votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Moi aimé ça. Pas abandonner assurance côté gain bâti dans cœur. Avec bagay ça, gon grande récompense qui attache à elle. Donc courage dans le Seigneur. Même si on a souffert aujourd'hui, si on fait ça, on doit faire, le Seigneur va récompenser au demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Continuez lire. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui m'est promis? La vie éternelle est la bien meilleure, favorable au salut. Alléluia. Verset 38. Encore. Verset 37. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Un peu de temps encore. Alors c'est dans la période de temps salué là qu'on est là. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. C'est ça l'abdi là, même matin. Hein. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il n'y a pas tant trop longtemps pour venir. Alléluia. 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 Lina out. La vini. Nous gen signe. Nous gen prophétie. Nous senti ça. Lina out la vini. Gen moun ki ont déjà regrette parce que poko jwi la vie assez. Songe te gagné, on l'a passé les vies avancées, t'as l'air fini verset ça, oui frère Wens. Passé les vies avancées sur Apocalypse 14. Il y a avancé sur l'épouse de Jésus-Christ qui pourra venir. Bon bien aimé, l'arrivé la car la fève prendre. Qui problème bien aimé a gagné, personne ne va pas connaître. Pasteur dit bon, li wè avant service là bien aimé a été bien propre. Après service là, li gon frisson. Il décidait qu'on y avait le fond de parler avec elle pour essayer de pas penser à manque choqué. Mais parce que les dit, il suspect. Il suspect semblait bien aimé à elle pour qu'on voit que le mariage lié n'a fait l'épouse. Et puis il commençait à prendre trembler. Regardez le regret pour le monde. Il dit pourquoi écouter le mari. Bon, il y a tout l'épouse pour le vini. Ben, c'est laisse après, glé ou après glé pour le mariage. Tout est un mariage. Mariage, c'est pour qu'on marie tant. Oui, on va dire maintenant. M'kembo là. M'kembo, oui. Pourquoi on va dire que vous êtes là? Il n'y a pas de problème pour nous marier. Il n'y a pas de problème pour nous content. Il est content. Il n'y a pas de problème ça. Il n'y a pas de problème ça. Oui, on a fait mariage. Jusqu'à présent, on a fait mariage. Depuis qu'on a fait encore qu'on est. Mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous allons mettre. C'est vrai, c'est un peu de temps, mais. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juge. Oh, il a fini tout ça, non? Le pasteur de Yahweh est bien aimé, il parle avec lui, il finit de comprendre. Nous manquons de faire un petit là. Et puis, je parle avec lui. Il dit, bien aimé, non, on s'y tend encore, c'est pas Jean. L'épouse vrai, vrai, l'épouse a venu. Mais on connaît tant, non, bon Dieu, comment ça. Expliquer, c'est un jour pour un an. Je me souviens ça, mais on va prendre un petit temps encore. Il dit ah. De quoi? Et il est levé, l'aller, la fièvre l'aller tout. Donc, on va grand pis souci dans le bail. Et mon juge, mais même si on est pour marier ou pas marier, quand on soit sale, il y a quitté le cœur attaché au Seigneur. C'est ça qu'il faut que nous voulons marier droit. On va appeler un jeune frère marier n'importe qui, un jeune soeur marier n'importe qui, et puis après ça, vient avec n'importe qui délinquant, là, l'esprit sous sauvé. Après, soit prier pour l'esprit de Dieu toucher. Il a devant Nintendo. Clap, clap. Là, après, soit étudier deux versets, là, jouer quatre. Il est en vidéo. Il va s'intéresser. Là, il est à l'église. Il dit, bon, je vais déposer, même pas prendre avant. Pendant que je vais déposer devant l'église, là, vous prenez une déception.
soit marié, marié dans le Seigneur. Parce que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et du temps dura pas. Tu vas attacher tes doigts au aucun bail. Agi pour empêcher au sauver. Et mon juste. Tu vas arranger c'est dans le Seigneur. Est-ce que tu entends ça? Yes. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Oui. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Comment on dit que vous avez la foi pour sauver non, mon. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver. Dans le nom. Alléluia. On lui dit le Seigneur merci. Là, montrez-nous qui ça pour nous faire. Donc, c'est veiller. C'est pour être là. Gon bagali dit oui là. Bah, mais j'en viens, non? Vous dites, vous me lisez encore, oui? Non, Marc 13 là. Lui dit, on bagali là. Quand il parle de portier là. Verset 34. Ok. De verset 33. Mon gars. Veillez et priez. Veillez et priez. Vous ne savez quand ce temps viendra. Attendez, vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Partant pour un voyage. Laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. Les ministres. Indique à chacun sa tâche. Et ordonne aux portiers de veiller. Qui est-ce qui portier? Gagner un ministère, gagner un monde qui mettait ça comme un monde. Mais un grand ministère qui a une responsabilité pour être dans la porte là pour lever. Portier, c'est dans la porte qui aurait été. Vous avez aujourd'hui à dire, porte élevée volento. Et dans la porte là, lié. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ça fait le ministère après cela, lever l'into d'une manière, ensuite encourager pour être soit juste dans l'église. C'est parce que le roi de gloire a vini. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ordonne aux portiers de veiller. Verset 35. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir. Ou le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au chant du coq. Ou le matin. 36. Créez. Qui ne vous trouve endormi. Veillez pour ne pas joindre ou abdormi. À son arrivée. Soudain, verset 37. Ce que je vous dis. Mais ça me dit où? Je le dis à tous. Me dit tout le monde. Veillez. Tout le monde dit veillez. Qui est réveillé? Étudiez avec mes yeux dans la parole. Et puis c'est pour ça que vous vaquez à la prière. Maintenant, on finit par se soucier. Là, voilà, avec vous. C'est l'attitude de tous les jours, doyez. Vous bien-aimé, qu'à veiller. Ni qu'un mes yeux lit dans les écritures. Ni qu'un mes. L'esprit lit dans mon Dieu à prier, jeûner. Il était là, le bon bagage ou attendez. Songe l'homme lâche ton pièce. Et qui bon de lâcher pièce ça, c'était New York. M'a jamais ça avant. Mon qui vend pièce deuxième main ça yo, mais deuxième de l'acheter parce que m'a dit ça me besoin neuf. Yo gon téléphone. Les oreilles qui connectait avec tout dit leur vendre pièce deuxième et puis il dit est-ce qu'on a telle pièce mon sous côté a attendre mais tout monde qui vend pièce de rechange attendez s'il y a pièce de rechange là on prend téléphone là il dit me gagne oui voyez le moment monde qui fait taxi gagne on série de radio dans machine là les jeunes un job manager qui se dispatcher dit même jeunes un job. Répondre, qu'est-ce qui est libre, mon zone à tel côté, mon qui est plus prêt à prendre job là. Policiers, les grands problèmes, ils auraient été sur channel radio. Depuis grand problème de nos côtés, ils auraient été sur radio, courir aller. Tout le monde, mon bagage, Miami, c'est le dernier, mais ils vont être là toujours en aller. Ils auraient les policiers courir dans seul endroit pour courir entrer. Ils auraient branché. Jésus, là, venu, n'a pas connu. La parole de Dieu dit ça. Il va jamais faire un seul pas viser serviteur lio. Ça va le fait. Li capable prendre pile temps avant le faire le deal là. Mais l'a dit quand même, sous état veiller, ou attendez.
Moun ki pap tande se moun ki pa connecté. Moun ki pap tande se moun ki pa gen fréquence. Se moun la chef volé antenne radio yo. Yo pa ka communiquer. Yo déchargé, yo discharge. Yo pa di sim nan. Yo gen boîte là mais yo pa gen communication. Moun sa yo désarmé. Mais le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui vivent dans le Seigneur. Il était rempli avec la puissance d'en haut. Il était avec qui choy capable de remplir nous. Nous sommes contents aujourd'hui. On a continué l'insigne là jusqu'à ce que le demain matin. Mais on nous comprend tout, il fait en l'heure. Je vais mettre trop à l'aise. Parler toute la journée. Même si je me réjouis. Je me sens réjoui pour ça, bon Dieu. Alléluia! Alléluia! Alléluia.